De Kisoso en passant par Anta jusqu'à Tessis, conduit sur cette traversale est un véritable parcours de combattants. Des nids de poules et autres crevasses ralentissent la circulation. Ce syndicaliste témoigne. Nous avons du mal à circuler sur la route parce que la route est dégradée. Le matin, la ville est mouvementée. Tout le monde est en déplacement. Nous constatons l'embouteillage des vases qui vient de part et d'autre. Donc on a du mal à stationner. Ce conducteur de taxi n'a pas manqué de souligner quelques inconvénients liés à cette dégradation de la route. La fois passée, ils ont mis les gravés ici, là, les gravés qu'ils ont mis là. Donc ça, la pluie est venue, ils ont enlevé, la pluie a enlevé beaucoup. Donc il y a beaucoup de trous. D'ailleurs, même ça agit beaucoup sur nous. Parce que quand tu passes toute la journée en train de descendre sur ça, là, le soir, ça arrive que tu es fatigué. Il faut que tu prennes le médicament, en un mot. La dégradation des voiries urbaines de Conakry et les travaux engagés de plusieurs quartiers empêchent la circulation dans la capitale guinéenne, ce qui impacte les activités économiques et sociales.